Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, de temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous remettre ou vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis comme d'intuition ou tout carrément des messages qui s'adressent à vous autant qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher les informations qui pourraient être plus exactes, plus correspondre à ce que vous vivez, tout simplement en allant consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, donc qui pourraient apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue sur la situation. Alors, à vous de voir. C'est peu importe le choix que vous faites, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que lorsqu'on les entend, on a l'impression qu'on nous parle ou on parle de notre situation, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Allons voir maintenant les outils. Utilisez pour votre guidance l'énergie globale de la semaine ou la tendance. J'ai choisi les portes de l'intuition ici avec une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le tarot des anges gardiens en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue également. Je voudrais dire un petit merci aussi à ceux qui likent et qui partagent les vidéos, comme à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. C'est très apprécié, du moins, c'est ce que j'essaie de vous passer dans le message. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers amis Cancer, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022, et on va aller chercher tout de suite l'énergie globale de la semaine, ou du moins, peut-être la direction à prendre, peut-être dans la semaine. D'accord? C'est parti! On nous parle de cohérence ici. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, j'ai envie de vous dire le ressenti lorsque j'ai lu la carte. C'est comme si ça me disait ici que ce qu'on essaie de vous souligner ici, c'est que lorsque vous êtes en équilibre, vous êtes équilibré dans vos chakras, vous êtes en paix avec vous-même, autrement dit, on n'est pas tiraillé, on n'est pas bon. Veut dire tout est facile pour vous. C'est comme si, veut dire, tout coule. Tout est équilibré, il n'y a pas de déséquilibre dans votre vie. Donc, c'est normal que entre ce que vous dites et ce que vous faites, ça se ressemble. C'est lorsque l'on est un peu déstabilisé, déséquilibré, que là, parfois, nos paroles ou nos gestes ne correspondent pas. C'est comme si la main droite ne parle pas à la main gauche. C'est un petit peu dans ce sens-là. Alors qu'en équilibre, dire tout va en accord ici. C'est un peu dans ce sens qu'on essaie peut-être de vous dire si parfois vous vous sentez un peu décalé ou alors un peu mélanger quoi que ce soit, c'est qu'à quelque part, vous avez besoin d'une petite méditation, quelque chose, un ancrage pour arriver justement à vous enligner ici. C'est que vous êtes en déséquilibre, il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vient un peu, veut dire, vous déstabiliser ici. C'est donc, ça nous donne, c'est dans un désir, remarquez, c'est dans le désir de 13 ici qui revient à 4, un désir d'équilibre, d'équilibre, mais surtout de stabilité, veut dire, on est quatre pattes ici, donc, c'est comme si, veut dire, on est désynchronisé, c'est évidemment, on se sent instable. On est dans l'hésitation, on est un peu dans la dualité, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là aussi. OK? On est toujours entre deux, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Alors, on va maintenant dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez, tout ça. Mais chose certaine, on vous dit bien, de toute façon, que lorsque vous êtes en harmonie, résumons la situation de cette façon, tout va bien. C'est tout ce que vous, entre ce que vous dites et ce que vous faites, ça s'accorde. OK? On a ici une ligne. Allons voir dans votre état d'esprit ce que vous cogitez dans le moment. On nous parle d'étoiles ici, de protection. On nous parle d'aube. Oh là, on cherche le but de l'action ici. Alors, on est dans l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Alors, je pense que vous avez cette sensation-là. Vous avez cette...
c'est peut-être un résultat d'un vœu aussi, ça peut être dans ce sens-là, puisqu'on vous dit qu'un rêve se réalise, de croire en vous, qu'il y a une situation difficile qui prend fin, ça c'est votre conviction. On est dans votre état d'esprit ici. On se sent protégé, on se sent guidé, on se sent dans une énergie positive ici, donc on est en harmonie ici pour prendre des décisions éclairées. C'est un peu dans ce sens-là qu'on je la verrai ici, d'accord? C'est un peu spécial parce que la carte qui suit, c'est l'aube. L'aube, c'est le nouveau départ. Regardez-moi cette belle carte-là. C'est le soleil à l'horizon, c'est la lumière à l'horizon, un peu comme l'étoile veut dire, a pu vous guider. L'aube, c'est le soleil qui vous éclaire ici. C'est comme si on vous dit ici le nouveau commencement, nouveaux horizons. On parle de naissance, de régénération. On est dans le 2 ici. On est prêt. On est réceptif à ce qui vient à nous. On est vraiment... on collabore à la situation. On n'a pas de frontières, on n'a pas de barrières non plus à mettre devant nous. C'est comme si, veut dire, on est prêt, comment je peux dire ça? On sait très bien, veut dire, que si on veut avoir une nouvelle direction, un nouveau commencement, quoi que ce soit, un nouveau début, veut dire, ça nous prend des choses que l'on ne connaît pas. Donc, veut dire, on n'est pas du tout dans le stress de ça, puisqu'on sait que, bon, c'est toujours la même chose. Quand on commence quelque chose, c'est nouveau. Quand on est dans l'action, veut dire, on s'aperçoit que l'expérience est lente, ça devient plus du nouveau, ça devient du passé. Alors, c'est un peu... Donc, on est toujours dans le nouveau, que vous vouliez ou non, dans l'ici maintenant. Alors, on est dans cette collaboration-là, on est réceptif, mais on a ce désir-là aussi. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est une envie, pour nous, c'est comme si c'est la continuité, je veux dire, de ce que l'on a commencé à entreprendre ici. De toute façon, comme je vous dis, on se sent protégé, on se sent guidé ici. Je ne pose pas trop de questions à savoir c'est où et quand comment. C'est comme on le ressent, on le fait tout simplement sans se poser de questions. On reste attentif. Je ne veux pas dire qu'on se laisse non plus manipuler. Mais je veux dire, ça va dans le sens que si on est équilibré, il n'y a pas de déséquilibre, donc on est en paix avec nous. Il n'y a pas de raison de se méfier ou quoi que ce soit. D'accord? Le but de l'action ici, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ce n'est pas l'impression que ça donne pour le moment, mais ça peut arriver dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Cette phrase-là me fait toujours sourire, c'est comme si, bon, alléluia. Je trouve ça un petit peu spécial, un peu cette phrase-là. Je ne dirais pas rapport. Ouais, presque envie de dire. Alors, le 8 de l'action ici, c'est un petit peu ce que c'est le 8, c'est l'équilibre. C'est bien d'autres choses aussi, mais c'est particulièrement l'équilibre ici. Je pense que dans la semaine, oui, dans le nouveau, j'ai l'impression que les choses vont peut-être débouler, peut-être un peu plus rapidement que vous l'espériez ou que vous le souhaitiez ici. C'est comme si une idée en amène une autre. Donc, on est toujours en train d'amorcer plusieurs chantiers en même temps. C'est un petit peu. Mais on dit que. Comment je pourrais dire ça? Vous êtes en mesure de gérer ça. Même si ça l'est pour certains, c'est éparpillé, c'est fou. Vous êtes comme un poisson dans l'eau ici. On gère très bien, on a très bien équilibré les choses. Donc, on est bien planifié, bien divisé peut-être le temps. C'est peut-être ça aussi. Je suis certaine que c'est organisé. On est encore dans l'équilibre malgré, je veux dire, l'occupation qu'on a. Veut dire comment je peux dire ça? On est occupé sur sur plusieurs heures dans la... Comment je pourrais dire ça? Une bonne partie de votre journée, j'ai envie de vous dire. OK? Malgré qu'on se sent, veut dire, très occupé, on est très équilibré, veut dire, on vogue parce qu'on a du plaisir de toute façon à faire ce qu'on fait. Donc, on n'est pas du tout dans l'impression nécessairement que oui, on sait qu'on travaille, mais je veux dire, ça ne se fait pas, veut dire, je ne vais pas travailler à reculons. Donc, au contraire, je suis heureux de partir, je suis heureux de m'en aller et je suis heureux de revenir. Prenez-vous, on est bien dans cette atmosphère-là. Alors, voilà les atouts que vous pourriez trouver sur votre chemin dans la semaine. Ça peut être des atouts, ça peut être des chances ou des outils qu'on aurait pour affronter ou pour nous aider durant la semaine, à des moments peut-être qu'on a besoin d'aide ou des choses comme ça. Allons voir ce que ça nous dit. On nous parle ici du 4 d'Ariel. On vous parle de l'énergie masculine, du yang ici, donc dans l'action. Et on nous parle du messager de l'émotion également. On est dans le chakra du cœur ici, comme dans le cadre d'Ariel. On vous dit quand on donne, on reçoit tout autant. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Résistance au changement, oups, vous avez un petit peu, on parle d'attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépasser de l'argent. J'ai l'impression ici qu'il y a un petit déséquilibre malgré un désir d'être stable ici. Je pense qu'on est un peu
il manque de cohérence dans la façon que vous faites les choses. C'est comme s'il veut dire on n'est pas, notre idée n'est pas nécessairement toute faite. Donc, veut dire on jongle ici en différentes façons de faire les choses, mais ça, tout ce que ça fait, ça déséquilibre tout au contraire. Parce que tout ce que vous avez établi ici, ça ne tient pas dans l'incohérence que vous mettez maintenant, que vous mettez dans les choses, la perception ou dans l'action que vous faites ici. Donc, ça vient vous avertir ici. On revient mettre de l'ordre ici avec l'énergie masculine. On est très logique, on n'est pas dans l'émotion du tout, même si cette carte-là dénote au niveau c'est le chakra du cœur, mais au niveau du côté émotionnel. On n'est pas dans le côté physique. Donc, c'est vraiment, ici, on revient mettre un petit peu avec, justement, l'émotivité ici, donc avec la... Comment je pourrais bien dire ça? Avec la sensibilité nécessaire de remettre les choses en ordre, dans le fond. C'est pas parce que, on veut dire, on vient pas brusquer les gens, même si on parle d'énergie masculine. On vient simplement, veut dire, amener de la logique dans la chose. Mais logiquement, voyez, comprenez-vous, on se base sur les faits ici pour expliquer les choses ou pour amener les gens à comprendre un peu les choses aussi également. On ne reste pas dans l'émotivité, ça nous déséquilibre pour le moment. Ce n'est pas ce qu'on a besoin dans la période ici. On vous ramène ici en parlant des messagers de l'émotion. On vous dit une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On vous dit que cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Et on dit que si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez bien être cette personne. Alors, on va voir si vous vous reconnaissez. Je suis certaine de ce messager-là, je pense qu'il vient un peu vous pouvez réaliser certaines choses, peut-être certaines façons que vous réagissez aux événements. Déjà, en partant, ça nous aide, la même chose qu'on cherchait dans la cohérence. On veut être vraiment au courant que si par une raison ou pour une autre, on se sent dérapé, qu'on puisse le ressentir rapidement pour rectifier le tir. C'est un peu dans ces trois cartes-là ce que ça vient amener. Ça vient vous amener principalement une énergie plus masculine qui vous aide, à justement rationaliser la chose, à mettre les choses dans le contexte qu'on est capable de se reprendre ici. Dans cette énergie-là, c'est comme ça que je la vois. C'est le ressenti. Donc, ce n'est pas quelque chose de nécessairement... C'est une aide, parce que ce point de vue masculin-là vient justement vous... Pas saper nécessairement les émotions, mais c'est comme si on raisonnait, de façon logique ici. Oui, je vais donner un exemple. Oui, on a de la peine, mais on sait que c'est une question de temps, puis que, bon, s'il faut engranger les choses pour justement ou s'occuper autrement pour... c'est pas le temps de mettre de l'énergie, dans ces émotions-là. Ici, on a besoin d'action. Donc, on met notre énergie dans l'action ici. La peine veut dire va passer tranquillement. On sait que c'est une question de temps. OK? C'est un exemple que je vous donne. Ça peut être n'importe quelle énergie ici. Convient, de trouver une raison logique qui nous fait qu'on continue d'avancer. Même si parfois on aurait pensé que ça aurait pu être un frein à quelque part. OK? Allons voir comment vous allez passer dans l'action maintenant. Si action, il y a évidemment. On nous parle de Reine de Gabriel ici. On nous parle d'identité également et on nous parle du 3 de l'émotion. Alors, allons voir ce que ça nous amène dans l'action. Avec la Reine de Gabriel, ici, on vous dit que tout est possible en ce moment. On est vraiment dans le orange, dans les couleurs du chakra sacré, chakra du nombril, deuxième chakra. On vous dit que travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'attirer également des gens serviables. Vous êtes en mesure de vous entourer de personnes qui sont peut-être, vous avez un certain charisme, ou des gens qui pensent un peu comme vous, ils vont vous donner un coup de main, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement rester là à long terme. Ça peut être aussi des employés qui sont aussi très, très, ils ont à cœur, ce qu'ils font. On vous dit que tout est possible, c'est déjà beaucoup, dès que vous êtes en une certaine cohérence ici. Donc, vous avez l'énergie pour faire ce que vous avez à faire dans l'action. On nous parle d'identité, on parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. On reste intègre et authentique à qui on est. Encore là, on fait beaucoup référence à la cohérence, à l'équilibre, moi, je trouve, dans vos cartes jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si c'est parfois, peut-être dans ces temps-ci, vous êtes peut-être plus sensible, à ce justement, ou alors vous êtes plus sensible dans le sens que vous êtes affecté plus facilement. Je vais vous suggérer de plus possible d'utiliser la bulle pour vous protéger, tout ce qui peut être négatif. Ça ne vous empêchera pas de pas vivre rien, mais au moins de ne pas vous laisser déstabiliser parce que c'est ça qui amène un peu les problèmes chez vous dans la semaine, qui vous empêche d'avoir des décisions qui sont assez claires. On est moins,
On se fait vite des idées, mais parfois basées sur des on ne sait pas sur quoi. Il n'y a rien pour étayer ou il n'y a rien pour prouver. Alors, c'est un peu trop d'impulsivité, peut-être de ralentir, peut-être aussi un peu. Chose certaine, en même temps, est-ce que c'est se mettre un peu à l'épreuve? Peut-être qu'on a envie, peut-être parce qu'on en a marre un peu de la situation. Ou alors, vraiment, on trouve que ce contrôle-là qu'on s'impose parce qu'on veut rester justement droit dans ce que l'on veut faire. On veut rester équilibré, mais n'oubliez pas que dans l'équilibre, ici, vous retrouvez une certaine paix. Là, vous n'êtes pas en pénichon parce que vous vous tenez. Il veut dire, c'est pas comme si se tenir à carreau ici. Il veut dire, vraiment, ici, on est détendu parce qu'il veut dire, on n'a pas d'attente, il n'y a rien qui nous retient, mais il n'y a rien qui nous empêche non plus. Donc, il veut dire, on est libre de faire ce qu'on a à faire. Ici, l'authenticité, ben, c'est ça, c'est l'identité. C'est comme votre intégrité, veut dire, elle est non négociable ici. Oui, on pourrait tenter parfois de tourner un peu les coins ronds, mais veut dire encore là, notre intégrité nous l'interdit. Ça vient comme si, veut dire, ça n'a aucun sens. On peut parfois avoir l'idée, puis même en rigoler, mais c'est pas dans la réalité, c'est pas quelque chose, veut dire, qu'on a normalement, veut dire, on sait qu'on pourrait, mais on n'est pas intéressé. Parce qu'on le sait qu'il y a des comebacks, veut dire, quand on tourne des coins ronds parfois. Okay? Donc, on ne veut pas prendre cette chance-là. On reste droit. On nous parle ici du 3 de l'émotion, où on vous dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut être des fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. On dit que vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. C'est un petit peu ce qu'on pensait, hein. On disait qu'il y avait peut-être des gens qui vont s'approcher de vous. Quand on vous disait ici qu'il y a une capacité d'attirer des gens serviables, on vous le redit ici. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Bien, je pense qu'on est plus dans un départ ici, ou du moins, en tout cas, dans une activité, dans l'action ici. C'est pas. Je peux pas dire. Moi, je ne le sens pas comme un départ du tout. On est dans l'énergie du cœur, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on est dans le 3. Le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi la communication. Donc, on n'a aucune difficulté ici à se faire comprendre. On est intègre, veut dire, avec ce que l'on veut faire dans ce projet-là, mais aussi avec nos valeurs. Donc, on n'est pas du tout dans le doute ici, ni même dans le déséquilibre ici. On reste stable par rapport à notre énergie ici. OK? On va aller voir les conseils de l'énergie, les quatre conseils de l'univers, voir ce qu'on pourrait vous conseiller dans les circonstances ici. On nous parle du chevalier de Raphaël ici. On nous parle de questionnement également. Et on nous parle du messager de l'action. Alors, allons voir ce qu'on essaye de nous dire ici. On nous parle d'engagement dans une relation, être ébahi, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Ici, on est dans l'énergie du cœur, oui. Mais j'ai l'impression ici qu'on est un peu. Je pourrais le mettre dans un autre sort de tirage. Je vous dirais, il y a de l'amour dans l'air. Mais ici, moi, je pense que c'est plus. Oui, de l'amour, ça pourrait être dans ce sens-là, mais c'est plus inconditionnel. Ici, je ne vois pas nécessairement d'amour, de relations amoureuses, je parle. Ça n'empêche pas que ça pourrait vous arriver si vous êtes un cœur à prendre, mais ici, c'est dans le conseil de l'univers, ici, je ne vois pas ça comme quelque chose d'amoureux. OK? Bon, c'est le ressenti que j'ai, évidemment. Moi, je pense qu'on s'engage dans une relation amoureuse comme ça peut être s'engager dans une relation professionnelle, par exemple. Il y a une entente ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais l'amener, moi. Une entente, mais une entente qui, ici, avec quelqu'un d'autre qui. Égal à égal ici. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de 60-40, 60. Oui, 160-40. Comprenez-vous, il n'y a pas de. C'est 50-50 ici. Donc, c'est une relation ou quelque chose ici qui s'établit dans l'égalité. Ici, on a la même vision des choses. Ça peut être aussi un peu avec le cœur. C'est comme si c'est des gens qu'on rencontre ou des gens qu'on a l'impression de connaître depuis longtemps. C'est la sensation qu'on a de connexion ici qui fait que on peut se reconnaître aussi un peu dans ces personnes-là, mais c'est surtout, on a l'impression, je veux dire, qu'on se connaît depuis longtemps. Donc, souvent, veut dire, on parle de quelque chose, puis l'autre personne en face veut dire, en tout cas, semble vraiment comprendre ce que vous. Même si on vient de se rencontrer, veut dire, la façon que vous réagissez, etc., etc., veut dire, c'est en connexion ici, avec cette carte-là ici. On tombe d'ailleurs dans le chevalier de Raphaël. On nous parle de questionnement. On nous parle d'explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. C'est dans votre. N'oubliez pas que ce sont les conseils ici. Donc,
on vous dit bien de ne pas hésiter à vous questionner, de ne pas, pas nécessairement prendre tout pour de l'argent comptant ici. Ici, on dit de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront, d'explorer la vérité, on va valider. On ne prend pas tout pour l'argent comptant dans la situation où on est, particulièrement dans cette semaine-là. Ça va nous donner aussi un certain équilibre parce qu'on sait que dans le pas qu'on met en avant, il est dans la bonne direction parce qu'on a validé. On a été chercher les connaissances nécessaires pour le faire dans la plus grande, dans le plus grand équilibre, dans le fond. On n'est pas là pour se demander sur quoi on met les pieds, ici. C'est pas le temps. On est à exécuter quelque chose et non pas à s'inquiéter où on met les pieds. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que j'aimerais vous amener. C'est le questionnement qui vous amène, puis de toute façon, c'est assez intense. 42-6, c'est du questionnement qui est souvent peut-être adressé à quelqu'un d'autre, comme face aux autres. On se questionne sur les informations qu'on reçoit. Ça peut être dans ce sens-là. OK? C'est dans l'énergie du chakra de la racine. Donc, ce sont des questions bien terre-à-terre. Ici, on n'est pas à demander, est-ce que Dieu existe? Comprenez-vous? On n'est pas dans les questions ici nécessairement philosophiques. Alors, on est vraiment, comme je vous dis, dans le terre-à-terre ici. On se questionne. On veut valider les informations qu'on va chercher, ou du moins qu'on nous donne. Ensuite, messager de l'action, toujours dans les quatre conseils de l'univers, on vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. On dit que vous êtes avide d'apprendre et que vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit de foncer. Cette âme représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, qui est prête à tout essayer. Si c'est vous, bien écoutez, vous vous reconnaissez, je pense que le conseil vous dit bien, foncez. De toute façon, on veut dire, vous questionnez avant de dire foncez. On le ressent, donc on y va, mais veut dire, on s'en va pas les yeux fermés. OK? On valide avant. Et ça reste dans le conseil, évidemment, des quatre conseils de l'univers. Alors, on reste constant dans les conseils ici qu'on vous donne. Vous avez de l'action à entreprendre, ce n'est pas un problème. On ne vous bloque pas, on ne vous freine pas, on ne vous dit pas d'arrêter non plus. Mais on dit de valider, les informations que vous, avant de prendre une décision, ou du moins de passer à l'action, de bien valider les informations avant. De toute façon, c'est votre nature. Vous n'êtes pas nécessairement une nature nécessairement à vous lancer dans n'importe quoi non plus. OK? Peut-être impulsif parfois, mais pas nécessairement sur une base régulière. De toute façon, c'est à l'encontre, d'une certaine cohérence. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. OK? Alors, voilà, maintenant, excusez-moi, je vais l'ouvrir. On est ici dans la partie de l'évolution de votre... Jusqu'à maintenant, ce que ça nous amène dans la semaine, les actions, les pensées qu'on a eues, les gestes qu'on a faits, ce qu'on a reçu, ce qu'on a donné, etc., etc. Où est-ce que ça nous amène ici? D'accord? On nous parle du chariot ici. On a besoin d'activité, d'action. On nous parle de créativité, on a les outils, et on parle du gardien de l'émotion. Alors, on est vraiment paré, on couvre les trois... sphère générale, je dirais. On parle du chariot ici avec numéro 7. On vous dit détermination et maîtrise de soi. C'est ce que vous avez acquéri dans la semaine. On parle d'évolution de la carrière, évidemment. Reconnaissance du succès par les autres. Les autres reconnaissent, veut dire que ce que vous avez fait, la ténacité, la cohérence que vous avez maintenue, le rythme soutenu que vous avez pris, etc., etc. Votre vitesse de croisière que vous avez choisie, tout ça a été remarqué. C'était vraiment constant la façon que vous avanciez. C'était vraiment bien, bien réglé. On le sent un petit peu dans cette façon-là ici. C'est un petit peu ce qu'on vous amène avec le chariot. En disant que vous la reconnaissance du succès par les autres, c'est qu'on vous a vu aller. On a vu la régularité que vous aviez, mais aussi votre intégrité qui a même été peut-être un peu remise en question, mais qui a été vite éclaircie. Ici, on restait fidèle à nos convictions ici. On n'allait pas, parce que ça aurait peut-être été plus facile de prendre certaines directions qui, ne sont pas nécessairement, cohérentes avec ce que vous pensez dans la vie. Okay? Le chariot ici, il va me donner un élan dans l'évolution, on s'est enfin décidé pour une direction. Je veux dire, pas enfin décidé parce que vous n'aviez pas nécessairement ce problème-là. On avait des choix à faire, mais je pense que ça venait assez facilement de savoir où est-ce qu'on voulait aller. Ici, je veux dire, la direction, elle a été choisie. On voit les chevaux qui courent dans la même direction ici. Vous êtes protégé. Le conducteur est un ange, à des aides du moins. Donc, quelque chose qui peut, en même temps, vous soutenir dans vos décisions. Ici, c'est pas... Je pense que les guides, c'est vous qui les tenez, mais vous êtes soutenus dans vos décisions. OK?
On te parle de créativité, évidemment. On vous demande de faire preuve. Dans l'évolution, je pense que soit vous avez fait preuve de créativité ou on vous souligne que ça pourrait vous donner encore un élan encore plus loin avec la carte qui est jaune, on pourrait dire. Donc, dans le je suis, si on reconnaît, veut dire, nos valeurs, veut dire, on est dans la créativité. On vous dit de mouvement, de la musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. On est ici, c'est comme si, veut dire, on faisait peut-être les choses peut-être d'une façon créative. C'est peut-être pour ça aussi qui peut être reconnu par vos pères ici, nécessairement. C'est que la façon que l'on fait n'est pas nécessairement celle qu'on vous a été enseignée, qui n'est pas nécessairement académique, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt, je veux dire, il y a de la créativité, il y a peut-être des choses qui sont présentées de façon différente. La façon de faire peut être différente, peut être inventive, peut être, bon, vous comprenez, créative, on peut le dire de cette façon-là aussi, dans votre évolution ici. On évolue avec ce qu'on a. Donc, on va dire, évoluer veut dire qu'on s'ajuste aussi. Ça veut dire à ce que peut-être à la personnalité des gens, ou du moins peut-être à peut-être que dans le créneau, pour ressortir un peu, je veux dire, de votre produit, peut-être de la compétition, je donne un exemple, évidemment, dans l'idée que vous avez, de toute façon. OK? Dans l'évolution, on nous parle de gardien de l'émotion également. On vous dit qu'il y a une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne qui, c'est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et qui on peut avoir entièrement confiance. Ici, on est dans la valeur du cœur. Je pense que ça va bien avec l'évolution. Je pense que c'est la preuve ici de maturité, ça, je vais peut-être étonnante, là, mais ça, on revient encore au début, à l'énergie qui vous maintient, la cohérence. C'est le désir aussi, les outils qu'on veut absolument aller chercher une certaine... On veut être stable sur l'action qu'on veut. On ne veut pas retourner en arrière pour restabiliser les choses. Donc, on a établi des fondations qui sont solides. Tu es capable de soutenir, peu importe l'initiative qu'on a. Donc, dans ce désir ici, moi, je le vois comme une évolution qui suit son cours. On n'hésite pas à être créatif. On n'hésite pas, veut dire, à innover, à amener des idées peut-être un peu farfelues sur le coup, mais qu'on s'aperçoit que dans l'activité ou dans l'action, ça fonctionne. Ça fonctionne, les gens sont surpris, le sourire est là, c'est-à-dire, les gens le prennent bien. Ça surprend, donc ça amène un petit plus ici qui vient vous aider en plus. OK? Maintenant, on va aller à la dernière partie qui est le résultat. En réalité, c'est vous qui allez mettre le mot dessus. C'est l'étape ici qui peut être une réponse pour vous, ça peut être une résultante comme ça peut être une direction aussi. C'est vous qui allez vraiment, dépendamment de ce qui vous touche ici, en définir, en fait, ce que ces cartes amènent dans votre vie, dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? Je vais mettre un bon tout à l'envers. C'est vrai que je les brasse tellement autour de moi. Et il y a le 7 de Gabriel ici. On a également le terrain de jeu. Ça s'annonce bien. On s'amuse. Et on a le 7 de l'action ici également. Alors, le 7 de Gabriel, 2-7 d'ailleurs, dans la réponse, la résultante de la direction, c'est excellent. On nous parle de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel. Ici, veut dire on est solide, mais ça, on l'avait déjà prouvé. Alors, c'est... Moi, je le vois, je vais le prendre pour la valeur du 7, c'est-à-dire, il y a un certain éveil ici. Il y a une sagesse intérieure qui se développe par rapport aux émotions. Votre intuition, votre clairvoyance, veut dire, elle est sollicitée dans la réponse ou dans la direction. Ici, on se fie un peu à ce que nos tripes nous disent ici. Puisqu'on nous parle d'une certaine compréhension, mais aussi on est déterminé à comprendre ou à aller chercher les informations. On est dans un état, veut dire, où est-ce qu'on... Un peu comme on suivait les conseils, où on vous dit que le questionnement, c'était sain de se questionner, justement. Un peu dans cet état d'esprit-là, dans votre réponse, mais ça peut être une réponse aussi, également. Moi, je pense qu'on défend jusqu'au bout notre conviction ici. Parce que, comme je vous dis, ça a été validé, les choses. Je veux dire, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est pas nécessairement qu'on est... Parce que je parle de défendre, c'est jusqu'à un certain point ici. On argumente peut-être sur certaines choses. Mais je le vois pas comme quelque chose, je veux dire, qui est nécessairement négatif ici. Plus que, je veux dire, on parle de sagesse intérieure ici. Donc, on n'est pas ici à avoir des arguments qui finiront plus. Là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là.
D'ailleurs, on revient ici au terrain de jeu où on vous amène à vous dire justement de peu prendre les choses un peu plus à la légère, d'être un peu plus, mettre de la légèreté un peu dans la façon que même que vous argumentez, on peut plaisanter, veut dire dans l'action ici. On travaille tous dans le même sens. Donc, veut dire, on n'est pas dans un état, veut dire pour comment je pourrais dire ça. Moi, je perçois pas cette carte-là nécessairement comme une menace. Au contraire, c'est comme si, veut dire, ça venait. Mettre des arguments, veut dire, qui font réfléchir, des choses qui vont vous faire avancer. Donc, on n'est pas du tout dans on essaie de m'avoir, on essaie de dégrader les efforts que j'ai faits. On n'est pas du tout dans une action négative ici, aucunement. Donc, ça nous fait que, j'ai presque envie de dire, que vous faire grandir à quelque part, parce que ça peut vous apporter comme information supplémentaire ou ça nous permet de démêler peut-être certaines choses ici. Qu'on avait peut-être vécu dans l'évolution ici. Le terrain de jeu, je le ressens exactement comme soi, comme la jeunesse, on nous parle de jeu, on nous parle d'enfant intérieur, on nous parle de plaisir, de rire, de dédramatiser un peu la situation aussi également. On est, comme je vous dis, avec un peu plus de légèreté. On prend la situation avec un bémol, veut dire, ici, on n'est pas du tout, dans ce qui peut représenter pour vous. On n'est pas dans quelque chose ici qu'on est assommé par l'action à faire ou le résultat ou quoi que ce soit. Ou même de savoir dans quelle direction qu'on va prendre. On n'est pas... Non, on prend les choses comme elles viennent. Bon enfant, j'ai envie de vous dire. Avec bonne humeur. On n'est pas du tout dans l'agacement ou des choses comme ça ici. Qu'est-ce qu'il nous dit le deuxième set, qui est le set de l'action? Encore là, on vous dit de défendre vos droits. Je ne sais pas ce que vous avez. Il y a quelque chose. Pourtant, il n'y a pas de ressenti de... Ah, OK. C'est peut-être dans des choses qu'on essaye peut-être d'essayer de vous faire. Parce qu'on vous dit, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, mettez-le vraiment au point de vue. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient, il y a du conflit avec quelqu'un d'autre? Ou alors c'est vraiment à l'intérieur de vous, vous êtes un peu dans l'incohérence. Vous êtes un peu dans le déséquilibre ici. On ne sait pas trop comment prendre la situation où vraiment on est mal à l'aise dans la situation ici. Il y a un malaise qui se dessine ici. Est-ce que c'est quelque chose qu'on essaie d'aller selon, parce qu'on disait de rester intègre dans la façon que vous faites les choses, même dans l'action? Ici, ça peut revenir à cette question-là de dire non, de dire vos anges gardiens vous aident de toute façon à rester, veut dire, dans l'état d'esprit, de rester intègre, veut dire, à ce que vous croyez, à vos croyances ici. On n'est pas dans ce qui est indiqué pour nous être notre morale ici. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. OK? Je ne sais pas dans quel état, quel choix va être le vôtre pour savoir qu'est-ce que ça décrit. Évidemment, chacun va se reconnaître, va dire, s'il a à se reconnaître. Enfin, bref. Alors, c'est un peu ce que je peux vous dire. Il y a quand même déjà 32 minutes. Ce que je peux vous dire présentement, va dire, pour votre semaine. C'est une semaine quand même qui est relativement... En fait, c'est l'équilibre, c'est votre cohérence qui donne le ton de la semaine. Si vous êtes très cohérent toute la semaine, les choses se passent, ça se passe bien. Ça se passe quand même relativement équilibré. Oui, on a des décisions à prendre, oui, on a certains questionnements, mais on est toujours aidé. Il y a toujours quelque chose qui vient nous libérer ou nous sortir de peut-être ce qui aurait peut-être, évidemment, dans une autre semaine, été un problème. Mais là, ici, on est soutenu. Alors, c'est pas une semaine non plus de fou, veut dire, même si on peut être très occupé. Je parle de fou dans le sens de régler problème après problème. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. OK? J'irais presque une routine, en fait. Il n'y a pas de résistance de votre part non plus, remarquez? On pourrait dire de cette façon-là. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines. Je vais mettre. Alors ici, j'ai une géode ici. Je vais la mettre à l'envers. J'ai une géode ici et j'ai un cœur. Juste pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions correspondant à la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion ici. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, bien, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes de réflexion. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de revenir à répondre à vos questions. Alors, pour la géode ici,
Réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Les choses se rétablissent, les choses reviennent à la normale, si ça peut correspondre à votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois suivant, c'est-à-dire on est au mois de novembre, alors en décembre ici. Ça peut aller jusqu'au mois de décembre pour répondre à votre question au niveau du temps. OK? Le cœur ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux en rapport avec votre question. Il y aura quelque chose de mieux pour vous. Alors ici, au niveau du temps, on nous parle du mois de mai. Est-ce que c'est depuis le mois de mai ou le mois de mai vous dit quelque chose? Vous le savez, évidemment. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. C'est quand même une semaine relativement... Je pense que c'est une semaine que vous êtes très en mesure de gérer ici. C'est pas quelque chose, normalement, que vous êtes... Que vous auriez en principe de la difficulté, je veux dire... À gérer, justement. Je pense que c'est dans vos aptitudes, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le feeling qui reste. Chose certaine, chers cancers, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.